Ouais. Première fois que je vois de mes propres yeux, en tout cas. En direct. Ouais, je pense. Wow. Première fois. Ouais, mais c'était impressionnant. C'était vraiment beau. Ouais. Wow. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. Udaranya bagus banget hari ini, guys. Gak tahu cuacanya, mungkin temperaturnya maksud aku 30-an lebih derajat Celsius. Jadi banyak sekali orang yang keluar untuk pesta di luar, mengadakan acara di luar ruangan. Dan ini bagus sekali. Hari ini aku akan datang ke salah satu acara di namanya Adem sih. Kayak bahasa Indonesia, Adem itu dingin. Tapi Adem itu kepanjangan dari kependekan maksud aku. Kependekan dari Associate No Atelier Detmu Musikologi. Itu perkumpulan para pemusik artis ada di Jenewa ini. Jadi bagus banget untuk dilihat dan gratis. Ada yang paling bagus guys menurut aku adalah penampilannya tidak hanya dari Azerbaijan, ada kultur Arab, ada kultur Swedia, tapi juga ada tarian Bali. Dan ini menurutku menarik sekali untuk ditonton bersama, bagaimana kira-kira pendapat atau feedback dari para penonton nantinya untuk dilihat bersama. Dan tentunya aku akan mencari dua atau tiga orang kalau mau diinterview untuk diketahui apa menurut mereka tentang performance dari tari Bali. By the way, back to my YouTube channel, Didi Lujawani. Sebelum aku kasih tahu apa itu Adem, terus performance apa aja yang ada ditampilkan di sini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng yang paling atas supaya kalian dapat notifikasi saat ada video yang terbaru dari aku. Oke? Okay? So, stay tuned. Thank you.
Comment vous avez pris connaissance de cet événement ? J'ai mon père qui suit les cours avec Fouad Didi et c'est pour ça qu'on est venu voir le spectacle. Ah, ok. Vous avez connaissé déjà avant, alors c'est bien. Oui. C'est pas par hasard. Non, c'est... Ok, c'est après vous. Oui. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez aimé dans la danse indonésienne ? Parce que vous avez vu avant, chez vous. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous avez aimé? Ouais. J'ai bien aimé au niveau de la construction de la scène, enfin de la chorégraphie sur scène et d'accord. De la suite des mouvements jusqu'au détail avec les mains qu'on voyait s'épanouir. Et c'était vraiment plaisant aussi, tout le costume on voyait de la tête jusqu'aux pieds, tout était très bien coloré. Ouais, ça c'est vrai. Ornement. Ah, merci hein. la dernière question, est-ce que vous avez déjà vu la danse indonésienne particulièrement? Parce qu'il y a aussi la danse Azerbaïdjan, si jamais je peux pas prononcer. Azerbaïdjan, pardon. Mm-hmm. Azerbaïdjan, et puis après aussi Georgie. Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu la danse indonésienne, par exemple? Avant? Je pense dans la... Enfin, la vraie vie, c'est la première fois que je vois de mes propres yeux en tout cas. En direct. Ouais, je pense que c'est la première fois.
Mais c'était impressionnant, c'était vraiment beau. Ouais. Et en global, qu'est-ce que vous avez apprécié cet événement? C'est pas fini, hein, c'est pas encore fini, du coup. Ouais, ouais. Vous avez apprécié Comment on dit l'interculture? Enfin, interculture, ouais. Ouais, l'invitation de différentes cultures et puis la diversité des cultures culturelles. Mmh. Et ça réunisse plein de monde à un même endroit pour juste faire découvrir ce genre. Merci pour partager.